Medri, Cofidis Cup, élimination de visée, mais on a quand même vu un bon match. Alors, votre analyse sur ce match? Oh, on a eu 5 minutes de flottement, les 5 premières minutes, là on remonte au jeu, après 42 secondes, je pense, dans le quatrième quart d'heure, on prend cette frappe d'extraterrestre qui vient de Reutings, et là, y a des plans un peu qui s'effondrent. On reprend pas mal, et là, il y a un pénalty, je pense, un peu généreux, je ne suis pas sûr, je suis mal mis, je reverrai vos images, un pénalty généreux qui tue un peu tout suspense, parce que la différence entre une D2 et une Division 1, elle se marque surtout dans la gestion du match par après, quoi. Alors justement, la plupart des résultats, c'est les D1 qui gagnent ce soir, c'est pas un hasard non plus. Non, c'est pour ça qu'eux sont en D1 et pas nous. Mais c'est le but d'y aller peut-être un jour. Oh, je pense qu'avec le groupe que l'on a, il y a 3 ans de travail à effectuer. Et avec, il ne faut pas perdre de vue quand même que si vous prenez les 2 moyennes d'âge, il n'y a pas photo entre les 2 équipes. Il n'y a pas de photo entre les 2 équipes. Il y a 7-8 ans de différence de moyenne d'âge, oui. Alors les Kepers étaient visés, toi, des deux côtés aujourd'hui? Ils étaient visés, toi, des deux côtés, oui. C'est comme je vous avais dit, hein, Logan Bailly, il n'a pas fait grand-chose. À un moment donné, il a fait une relance à la main qui est atterrie juste devant mon banc. Il était toujours aussi précis que dans le bon vieux temps. Je le dis haut et fort, c'est un gardien, c'est un des 5 meilleurs gardiens belges. Et j'espère pour lui qu'il va rebondir parce que normalement, il n'a rien à faire. Pour tout le respect que j'ai pour HL, mais Logan n'a rien à faire à HL. Alors, on a vu aussi la rentrée aujourd'hui d'un joueur à viser. Oui, c'est la deuxième rentrée. Il est rentré déjà dimanche. Hein, donc, c'est un gamin qui est de 18 ans qui est arrivé chez nous, qui a un gros potentiel, mais à qui il va falloir, à un moment donné, bien laisser les pieds sur terre, comme tous les gamins de 18 ans, avant d'éventuellement leur faire franchir un certain palier. Alors, on a vu aussi dans la presse que vous étiez le conseiller de Logan Bailly. Vous l'avez conseillé, vous n'auriez pas pu lui conseiller de laisser passer un but aujourd'hui? Oui, mais Logan, c'est une histoire particulière. Je suis avec lui, son papa, depuis 15 ans. Le gamin, je l'ai vu grandir. Je l'ai accompagné au Standard. Je l'ai accompagné à Genk. J'étais à Mönchengladbach avec lui. C'est un gamin pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est plus un gamin, il a 27 ans. Mais je dis, c'est très, très fort. C'est mon avis, mais c'est très, très fort comme gardien. Croyez-moi.